Salut tout le monde, c'est Solarius pour la suite du Let's Play de LEGO Star Wars, la saga complète. Et aujourd'hui, je vais pouvoir vous en dire un peu plus sur le jeu quand même et sur... Je vais arrêter de sautiller partout parce que ça fait un peu ridicule. Je vais pouvoir vous en dire un peu sur le jeu et sur... un peu plus sur le jeu et... Puis voilà. Et oui, je vous avais promis de vous faire la visite de la cantina de Mos Eisley. Donc on va commencer par l'extérieur. Alors vous voyez qu'on y retrouve tous les personnages qu'on a débloqués. Hein. Non, reviens là. Donc on peut en avoir que deux, mais par exemple si je prends lui, là Qui-Gon devient libre et puis il fait ce qu'il veut. Hop, donc il y a des petits bonus, hein, mais ça ensuite c'est pour... là c'est cassé. Ça ensuite c'est pour quand on sera plus loin dans le jeu. Hein. Ouais. Et quoi ici? Ah, ça peut-être, voilà. D'accord. Oui, bon, bref, il y a plein de petits bonus comme ça. Là, vous voyez que c'est un écran où on peut voir des... Donc, on a le titre du chapitre qu'on vient de finir sous les yeux. Et je change avec quoi, moi? Ah, je peux peut-être pas changer tant que j'ai pas d'autres trucs, ouais. Oui, je sais pas. Mais en gros, vous voyez, ça sert à ça, les mini-kits. Hein. Ça sert à avoir des petits véhicules comme ça. Et ça sert à rien d'autre, apparemment. Comment j'avais fait pour partir l'autre fois? Ah, non. Ah, d'accord, faut faire spécial. Alors, on voit aussi qu'avec les briques dorées qu'on ramasse, il y a des briques dorées qui sont par terre. Et que quand on en aura 160, on pourra faire quelque chose avec. Quant à savoir quoi? Ça sert à quoi ce truc? Ouais, bah. Ouais, c'est conceptuel, hein. En tout cas, ça donne de l'argent. À propos d'argent, il y a la boutique qui est là-bas. Alors, astuces. Parce qu'on peut acheter des astuces. Ah ouais. On peut acheter des astuces. Bon. Ça va pas m'être très utile, hein, étant donné que j'ai déjà fini le jeu presque par cœur. Non, pas par cœur, justement, mais... oui, voilà. On peut aussi acheter des personnages, hein, dont vous voyez que certains sont disponibles... on peut acheter un droïde EK. Ouais, bah j'ai envie d'acheter le droïde EK, tiens. Je me suis ruiné, hein, mais... au moins, bah, j'adore les droïdes EK. D'autant plus qu'on peut utiliser leur bouclier, hein. C'est pas comme dans un jeu où là, leur bouclier serait désactivé pour éviter la cheat. Non, voilà. Là, c'est vraiment, on peut utiliser leur bouclier. Bascule sur... Ah oui, donc là, on peut utiliser... On peut acheter des extras. Tiens, je vais m'acheter... ah bah non, je peux pas. Je peux rien acheter en fait. Ouais, donc on peut acheter des petits bonus. Activer dans le bonus, là où il y avait d'ailleurs le machin de difficulté adapté. Entrée code, ça c'est des codes de cheat, ça nous intéresse pas. On peut aussi acheter des briques dorées, vous voyez. On peut pas débloquer. Comment est-ce qu'on les débloque celles-là? Ah, oui, je crois qu'on les débloque en achetant la première. Enfin, je sais pas. Ah, et on peut aussi revoir les cinématiques. Voilà. Donc ça sert à la boutique. Si je frappe quelqu'un comme ça, je peux obtenir un combat. Et vous voyez d'ailleurs que les gens vont se taper dessus entre eux, voilà. Là c'est marrant, ça fait une mêlée générale et puis c'est... C'est dommage qu'ils fassent plus ça dans les nouveaux jeux LEGO. Ouais, ça c'est un mode arcade à deux joueurs, je vous montrerai peut-être une autre fois. Quoique... Attends, y a pas une manière de... Ouais, je vais voir un truc, attendez. Est-ce que je peux pas... pas appareil sélectionné... Non, on peut pas. J'avais le souvenir qu'on pouvait jouer sur le même...
Sur le même clavier, mais bon. Apparemment, on peut pas. Donc là, on a l'épisode 1. Donc ensuite, je vais faire tous les épisodes dans l'ordre. Hein. À commencer, bien sûr, par le 1. Même si je sais que j'ai des amis qui sont fans de Star Wars et qui pensent que les meilleurs, c'est toujours c'est ceux de la trilogie originale, mais bon, voilà. Ah bah oui, tiens, puisqu'on en parle. Ouais, c'est déjà c'est... Ah, bah c'est une boule disco. Bon, je vais peut-être pas visiter tous les épisodes. Hein. Donc à propos, justement, ce jeu a été... Ça, c'est... Ah oui, c'est les bonus, ça. Ah, les bandes annonces, d'accord. Ouais, et ensuite vous voyez qu'il nous faut encore des briques dorées pour avoir les bonus. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, donc le... C'est pas le premier jeu en fait, parce que le jeu s'appelle Lego Star Wars, la saga complète, mais il y a eu d'abord le premier qui est sorti. C'est... Lego, bon, le machin de personnage, je vous le montrerai une fois que je serai plus avancé dans le jeu. Ça aura beaucoup plus d'intérêt. Le premier jeu sorti, ça a en fait été Lego Star Wars. Bah, Lego Star Wars, tout court, je crois. Hein. Donc, qui reprenait les films 1, 2 et 3. Enfin, numéroté 1, 2 et 3. Alors, si vous n'avez pas reconnu, lui, c'est R2-D2. Hein, quoi. Voilà. Donc, qui reprenait les films 1, 2 et 3. Et après, il y a eu un autre jeu qui est sorti, ça s'appelait... Ah, mais je me souviens plus des noms des jeux, là, je suis désolé. Mais en tout cas, bon, il y a eu... les films 1, 2, 3 et 4, 5, 6 sont sortis sur des jeux séparés. Et voilà. Oh, mais j'étais censé lire, moi. Les menaces fantômes, l'invasion de Naboo. La Fédération du Commerce a lancé un assaut de grande envergure contre la pacifique planète Naboo. Cachés à bord de la barge de débarquement, Qui-Gon et Obi-Wan se sont embarqués clandestinement avec la force d'invasion. Ils doivent contacter les forces locales avant qu'il ne soit trop tard. Donc je disais qu'il était... Les films 1, 2, 3 et 4, 5, 6 étaient... Oula, ça lag ce truc. Donc les films 1, 2, 3 et 4, 5, 6 étaient d'abord sortis en... séparément. Donc dans des jeux séparés. Et là, donc, je joue à Lego Star Wars, la saga complète, qui regroupe évidemment les deux. Bon, allez, cette fois, on se dit pas de fail. Et on va bien commencer, on va déjà prendre son sabre laser. Oula! Vous voyez qu'on voit des indigènes. Je sais pas comment ils s'appellent d'ailleurs. Enfin, c'est pas des indigènes, mais... Non, c'est pas des indigènes qui s'appellent, mais bon. Attends, est-ce qu'on les voit au moins? Voilà, vous voyez qu'on voit des indigènes qui se font poursuivre par les droïdes. Boum. Ça, c'est vu. Ça commence bien. What the fuck? Je viens de trouver un verre dans une plante. C'est quoi ces pollueurs? Ils ont foutu des vers dans des plantes? Ouais, d'accord. Bon, c'est pas grave. Alors, d'ailleurs, je n'essaierai pas d'obtenir tous les trucs, comment ça s'appelle, vrais Jedi. Pour la simple raison que, bah, ensuite, je ferai... Ah oui, ça me... En fait, donc, le concept même des jeux Lego, c'est qu'on peut rejouer ensuite à un chapitre, non plus en histoire, mais en jeu libre. On va essayer de faire exploser le réacteur du... attends, je ne veux pas que je sois trop proche, trop près, ça explose. Alors, on peut exploser le réacteur du machin cassé. Donc, le concept, c'est qu'une fois que vous avez fini un chapitre en mode histoire, vous pouvez y rejouer en mode jeu libre. Et donc au mode jeu libre, vous pouvez choisir tous les personnages que vous voulez dans toute la liste que vous avez débloqué.
Et voilà. Donc à cette occasion là, vous pouvez récupérer les mini kits qu'il vous manque, enfin les mini kits. Vous pouvez aussi gagner le mode vrai Jedi si vous ne l'avez pas eu, etc. Donc là vous voyez qu'on a un nouveau personnage et un droïde de combat là qui vient de passer dans un véhicule. Nouveau personnage Jar Jar Binks et qui saute deux fois plus haut que les Jedi. Enfin deux fois. Ouais. Une fois et demie peut-être, mais bon. Qui saute beaucoup plus haut que les Jedi. Et qui ne va toujours pas suffire à récupérer le mini-kit. Attends. Comment j'arrive ? Ouais, pauvre. Bon, en tout cas, je vais peut-être pas récupérer les mini-kits là-dedans parce que je ferai des vidéos spéciales. Ah. On voit ici que les Jedi peuvent confondre les... Enfin... Mettre les personnages non-Jedi en mode confusion. Donc voilà, donc c'est, le talent de Jar Jar va nous être très utile. Va nous être très utile, oui. Oula, attention, on a dit que si je tombe, je recommence. Hein. Donc on va y aller mollo. Alors oui, dans la version du jeu original, hein, donc le jeu qui regroupait les Star Wars... Le jeu qui regroupait les Star Wars 1, 2 et 3, Jar Jar ne pouvait pas taper. Mais à présent, il le peut parce que... Ah non, il peut toujours pas taper. Pourquoi j'ai le souvenir qu'il pouvait taper? Bon, bah d'accord. Oubliez ce que je disais. Hein. Ah oui, voilà, justement. Là, c'est au tour de Jar Jar d'utiliser, puisque vous voyez que... Lui, ne peut pas passer, par contre, Jar Jar le peut. Jar Jar! Hop. Donc en fait toute l'essence de des jeux Lego ça repose sur ça hein, que les personnages sont interdépendants. Ah il y a eu un de ces bugs. Enfin un de ces lags. Hop. Seuls les chasseurs de primes ont accès à ces zones. De quoi tu... Ah bah oui. Oui donc là vous voyez c'est un peu comme le panneau qu'on avait avant avec le panneau qu'on avait avant avec ouais, l'alter ego de C3PO, quoi. Sauf que là, c'est un chasseur de primes qui peut y accéder. Boba Fett... Il y a une liste assez complète de chasseurs de primes hein, dans ce jeu. Ah, ah, c'est une malade. Bon sang. Qu'est-ce que je disais peut-être aussi essayer de faire d'autres trucs que de renvoyer le laser, faut hop, tu sautes et tu frappes. Alors là oui, il faut utiliser ça. Voilà. Ah oh bah ça, Jar Jar peut y accéder. Ouais mais je vais pas le prendre. Je vais pas le prendre parce que je vais faire tous les mini-kits dans un épisode dédié. Ah mais c'est... Ah je déteste ça par contre. C'est que... Moi, quand vous jouez sur PC, là, l'angle de caméra fait que vous ne pouvez pas... Non ! C'est à cause de l'angle de caméra. Non, là, je suis désolé, c'est à cause de l'angle de caméra. Je peux pas... Franchement, essayez de passer ce passage avec un clavier et dites-moi que vous seriez pas tombé à ma place. Ouais, mais ça, franchement, non, je peux passer. Bon, parce qu'aussi, le fait que quand on meurt, on réapparaisse immédiatement, ça a bien sûr laissé place à des petits abus de... comment dire, de mauvais gameplay quoi, enfin le gameplay est pas mauvais je veux dire, mais bon là vous voyez j'avais aucun moyen de passer sans enfin je pouvais mais c'est vraiment du hasard quoi, c'est je me jetais au hasard. C'est dur de le faire parce que vous avez la caméra de 3/4 et les boutons du clavier sont pas précis. Oula ouais, non. Voilà. Or voilà.
Ah ça c'est une trappe où les petits personnages peuvent passer. Et hop, dans le vide. J'adore jeter les droïdes comme ça dans le vide. Oula. Aïe. C'est mauvais. Le cœur de vie. Non. Ah. Bon, par contre là, je vais quand même essayer de casser des machins pour regagner de la vie. Où est-ce qu'il peut y avoir des cœurs? Dis-moi. Ouh, y'a du lag. J'imagine que ça c'est ah oui, je vous ai toujours pas parlé des problèmes de malade que j'ai eu pour jouer à... Enfin, pour enfin jouer à ce jeu. Donc, comme je vous l'ai dit, j'ai acheté le jeu sur Wii. Et donc je ne voulais pas le re-acheter pour jouer sur PC. Bon, ils sont 3, ça devrait le faire. Taïo ! Mince. Oui, me demande pas ce que je fais, voilà. Alors vous voyez qu'on a accès à beaucoup de mini-kits, non, je vais peut-être pas le ramasser. On a accès à beaucoup de mini-kits comme ça, sans faire trop d'efforts, mais il y en a une bonne partie aussi qui sont cachés. Hein. Tiens. D'accord. Donc, il a fallu tout d'abord que je trouve un patch no CD pour le jeu. Ce qui déjà en soi a été un peu hard. Ensuite, il a fallu... qu'est-ce qu'il a fallu que je fasse déjà? Oui, ensuite il a fallu que je... Donc ensuite j'ai réussi à l'installer. Et donc là j'ai essayé d'enregistrer. Sauf que mon enregistreur de vidéo que j'avais avant ne marchait pas. Parce qu'en fait, le jeu se lançait, ne voulait marcher qu'en plein écran. Est-ce que je peux trouver un verre aussi? Oula! Bande de malade! Ouf. Donc le jeu ne se lançait... je ne pouvais pas enregistrer parce que le jeu était en plein écran. Et mon enregistreur de vidéo n'enregistre pas les jeux en plein écran. Donc du coup j'ai été obligé de télécharger un autre logiciel pour télécharger pour télécharger n'importe quoi. Pour enregistrer en plein écran, bref, ça a été la grosse galère. C'est la fin du niveau. Ouais, pour le coup je sais je suis mort, mais franchement c'était un bug de caméra de 3 quarts et puis ce jeu il est pas fait pour être passé sans mourir quoi, mais tu vois ce que je veux dire. C'est comme si j'essayais de vous faire Super Mario Bros sans mourir, t'es obligé de mourir au moins une ou deux fois pour réussir. Sauf si t'es un BG, mais là c'est autre chose. On n'a pas notre barre de vœux de vrai Jedi. Bon, moi ça s'annonce bien quand même, je meurs pas beaucoup. Bon, sinon à cause des bugs de gameplay, mais ça c'est pas le... C'est pas évitable quoi. Et voilà. Bah écoutez, je pense qu'on va pouvoir se retrouver au prochain épisode hein, pour le... Alors, épisode du Let's Play pour le chapitre 3 du jeu. Et ouais. À la prochaine. Ah, non, attendez. Je vais quand même... Je vais voir si je peux pas essayer de trouver le droïde EK pour vous montrer un peu à quoi il ressemble.
Ah, d'autant plus que ça marchera moins bien que sur sur Wii. Oh, c'est dommage. Bon, et puis écoutez, non, je ferai ça au prochain épisode. Allez, salut!